ça c'est chiant. J'ai mon micro qui fait des faux contacts. Je suis Germain Vincent Stark. C'est pas mon vrai nom de famille, mais bon, après tout, le vrai nom de famille, c'est celui qu'on s'invente ou celui qu'on est avec. Je vous laisse débattre. Je suis connu comme Monsieur Germain, même si j'aime pas. J'aimerais vraiment qu'on m'appelle Vincent Stark. Guillaume me fait parfois l'effort. C'est le seul. Je suis surtout connu pour être chroniqueur et réalisateur à Trick Track. Ça m'arrive d'écrire des articles de jeux, mais principalement, je vais plutôt faire les vidéos. Ça va vouloir dire les écrire, réfléchir à où est-ce qu'on les tourne, comment on les tourne, ce qu'on a besoin de décor, quel type de lieu on va faire, les plans à quoi ils vont ressembler, est-ce qu'on a besoin d'accessoires, etc. Et puis bah, après, je fais le montage de tout ça. Mais bon, ce qui fait qu'à côté de ça, je suis entre autres auteur de jeu. Et pour l'instant, j'ai un scénario d'Unlock qui est sorti. J'ai un proto qui est depuis très longtemps chez Goro Fabrique. Et à côté de ça, ça c'est pour le jeu, mais je fais des choses qui sont pas du milieu du jeu. Je devais filmer un clip cette semaine où je tourne la vidéo. Bon, du coup, on a reporté à après la crise, mais voilà. Je peins, j'ai déjà été exposé pour mes peintures et pour... mes expressions artistiques, parce que je fais pas que peindre, je fais de la calligraphie, en tout cas c'est le plus proche que j'ai à dire, je travaille des choses sur les mots qui n'existent pas, les textes, et comment ça peut rendre visuellement, mais aussi en vidéo, mais en livre, là. Je suis chez moi, dans mon appart orléanais, et puis tout seul, parce que personne a voulu me rejoindre, et puis que j'étais bien là. Bah écoute, jusque là ça va plutôt bien. La première semaine j'ai pas vraiment vu la différence parce que je suis allé au travail et c'était un petit peu comme d'habitude sauf que les rues étaient vides. Et là en fait à partir de maintenant c'est mieux parce que je pose des jours et du coup je peux avancer mes autres projets qui traînent depuis vachement longtemps. Donc sinon que c'est calme, ça me va bien. Mais en fait même le calme me va bien, j'avoue que... voir personne dans les rues, c'est assez agréable. Alors là, je suis en train d'organiser pour faire du Time Stories et sans doute du Sherlock et sans doute aussi du Just One avec les copains à qui on se réunit d'habitude sur Orléans et là, comme on est chacun chez nous, on essaye de trouver des solutions. Alors je pense qu'on va peut-être trouver un truc. Plus tôt dans la semaine, j'ai fait du Exit. Là, j'ai fait les deux derniers parce que je suis en train de préparer la prochaine vidéo sur des jeux d'énigmes. Et donc, il y avait plusieurs trucs et l'Exit, je les avais pas fait. Et j'ai même réussi à les faire à distance avec Christine Alcouf. Sinon, j'ai ressorti du jeu solo. Je suis à fond dans l'univers. Je compte tout bientôt me remettre aussi à Fui, qui pour moi est un freeze qui est... il est marqué de 1 à 4. En fait, à partir de 2, il est pas bon. Je trouve qu'il se passe un truc vraiment pas bien à partir de 2, alors que tout seul, c'est très cool. Le défi à résoudre est vraiment sympa. Donc, je vais sans doute reset le jeu et recommencer du début. Et... je suis aussi dans le 7e continent. J'avance la malédiction de la boîte noire que j'avais pas fait, et puis je vais attaquer les malédictions des boîtes blanches. Parce que je les ai pas faites. Ça m'occupe bien. Je vais sans doute aussi faire du horreur à Arkham parce qu'il y a une saison que j'ai... Oui, parce que j'appelle ça une série, c'est vraiment une série des épisodes, donc il y a une saison que j'ai pas faite. Je vais faire du solo, mais je vais sans doute faire du multi aussi parce que j'ai l'habitude de... Et ça m'amuse, surtout sur de la gestion de ressources, de faire semblant d'être plein de joueurs. Après j'ai plein d'autres trucs à faire parce que là je joue, mais... Il n'y avait pas que ça. Si, c'était quel jeu joues-tu? En jeu, c'est ça. Et il y a un truc, même si pour l'instant, je joue plus à le créer qu'autre chose, mais il y a mon jeu avec des marque-pages chez Olydrius. Et ça me prend pas mal de temps aussi, quand même, de le travailler et essayer des petits trucs.
Bah, je vois en visio, mais je pense qu'il y a, enfin, par Skype et compagnie, mais je pense qu'il y a plein de gens qui le font. On a fini par trouver des trucs de qu'est-ce que j'envoie à qui en avance, comment on gère. Typiquement, Time Stories, en fait, je le gère avec un Skype. Moi, j'ai du matériel de base que je peux montrer aux joueurs. Je leur ai pré-envoyé des fiches de personnages. Voilà, je leur ai dit sélectionner des trucs pour faire des jetons jaunes, des jetons verts, des jetons bleus, voilà, des coquillettes, des crayons. Et tous les versos de cartes, vu que c'est des personnes uniques, eh ben, on a Facebook ouvert à côté et je balance sur leur Facebook personnel. C'est ce que j'ai fait aussi avec Exit, où il y avait un écran principal et puis les images que j'envoyais, les photos, les gros plans que j'envoyais à Christine avec qui on l'a fait, et ça marche en fait plutôt bien, et c'est assez fun. Bon, ça demande un petit peu à s'organiser, mais c'est cool. Et puis sinon, bah, fouiller, il y a pas mal de gens qui du coup sortent des versions solo de jeux, et quand on débat tout seul, c'est plutôt bien, c'est assez pratique. Ah bah justement, le projet qui traînait, en fait il y en a plein. Il y a donc les marque-pages qui là bah, avancent nettement plus vite. Il y a d'autres protos de jeux qui vont avancer nettement plus vite. Un truc qui va vachement m'occuper, qui est là, je vais peut-être faire juste un plan après, après votre accord comme vous voulez. Un autre projet qui avance vachement bien, c'est une table que j'ai peinte. En fait, voilà, dans mon style de peinture, j'ai peint aussi une de mes tables. Voilà, j'avais envie de faire un truc gigantesque. Parce que j'avais envie de faire un truc gigantesque. Et en fait, bah, d'à côté, c'est la mer avec un gigantesque nautile. Et c'est fait depuis longtemps. Et ça fait longtemps que je voulais peindre quelque chose dessous. Un autre animal. Non, je vais pas le dire parce que toute l'idée, c'est la surprise. Je te dis, c'est peint aussi en dessous. Et tu regardes et tu fais ah! Et voilà. Mais bon, il y a un autre. Je suis en train de peindre enfin. Alors que ça fait 3-4 ans que ça attend la suite de ma table, le dessous de ma table. Un message pour Origames. Si par un hasard magique de je ne sais quoi, il y avait une version solo de Cryptid, je sais que c'est impossible, mais vous avez fait une version duo. Pétard, si j'ai moyen d'y jouer tout seul, je suis content, je sais pas, un truc qui s'auto-révèle en nombre de tours, chasse au trésor, au bout d'un moment, ah, il est là, il faut le trouver en le moins de tours possible, genre j'en sais rien, je sais même pas si c'est faisable, mais putain si c'était possible, mais qu'est-ce que ce serait bien? Ah oui. Oh, you make me feel so good.